Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine. Et je vais me faire kidnapper alors que je n'ai pas bougé. Sûrement parce que nous sommes proches du premier point. Voilà comment c'est la vidéo, ça c'était clairement pas prévu. C'est parti, c'est la toute première fois qu'on se fait kidnapper par Jacob. On va voir qui il est et on va voir ce qu'il nous réserve. Je vous avoue que c'était pas du tout prévu que je me fasse kidnapper sur un parking comme ça. Pas très gentil. T'aurais pas dû venir pour moi. T'aurais dû fuir. Ce monde est faible. Ramolli. Nous avons oublié comment être fort. Nous avions des dieux pour héros. Aujourd'hui, ce sont des impies, faibles, veulent, débiles. Nous laissons les fragiles diriger les puissants et nous sommes surpris de l'état de ce monde. Mais l'histoire connaît la valeur du sacrifice. Tuer les plus faibles pour garder la force. C'est ainsi pour tout. L'intérêt du groupe prévaut sur celui de la personne. C'est la loi de la nature. Mais nous l'oublions. Et maintenant, nous devons en payer le prix. Maintenant, l'effondrement est proche. Et cette fois, l'intérêt de certains prévaut sur le groupe. Et lorsqu'une nation n'ayant connu ni la faim ni le désespoir sombrera dans la folie, nous serons prêts. Nous allons abattre les faibles. Nous ferons ce que nous devons faire. Un monde faible, mission principale, je brûle! Il m'a hypnotisé par la musique. Pistolet. Tu n'es pas un héros. Waouh! Waouh! Calmez-vous! On dirait des Action Man, frère! Calmez-vous, les gars! Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Non, mais là, je pense que je suis en train de tuer de vraies personnes. Tire en pleine tête, plus 6 secondes. Ok, je crois que je suis en train de tuer vraiment des personnes. Ça sent pas bon, hein. Tu es le dernier. Tu es la dernière cible avant la fin du temps imparti. La question, c'est où est-elle? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Monsieur, madame? Je pense que sous drogue, je les tue vraiment. Mais quelle est cette. Quelle est cette sombrerie? Il a bugué! Ah non! Ok, d'accord. Très bien. Oh, j'adore cette musique! Ok. Il y a un problème. Attention au temps. Oh putain. 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 Putain, je fais vite parce que j'ai perdu trop de temps. Je suis mort, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Oh, c'est compliqué, hein. J'avoue que j'ai joué jusqu'à la dernière seconde. J'ai joué un jeu dangereux. Oui, sacrifie les faibles. Ok. Vas-y, MP5, ça me plaît. Connais ton rôle. Ok. On va passer par ici, 5 secondes. Oh, c'est terrible. Voilà. On va passer par ici. Je les vois. On a eu très très chaud, les gars. Mais j'aime jouer avec le danger. Parce que je suis américain.
Quel bordel. Witty, vérifie ces fauteuils. Ils pourrissent dans ce merdier depuis des jours. Walker, ouvre les fenêtres. Oui, chef. Et coupez cette putain de musique. Oh merde, c'est Sully. Quand est-ce qu'ils l'ont eu? Pourquoi on s'emmerde à faire tout ça? Ils sont morts. Quand même. Oh, pourquoi je me tape toujours les cadavres? Putain de merde! Quoi? Merde! Il est vivant. Walker, le camion. Oui, chef. Oh, c'est pas vrai, je suis désolé. Allez, viens m'aider, petit. Ellie, est-ce que c'est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut bien foutre ici, bordel? Il a bien plu à Jacob comme à nous. Tout ira bien maintenant, la star. On s'occupe de vous. On l'emmène avec nous au Wolf's Den? Bien sûr. Tammy risque de pas apprécier. T'en fais pas pour Tammy, elle s'en remettra. D'accord, très bien. Alors pour être honnête avec vous, je préfère clairement ça que la drogue. Par contre, j'ai l'impression qu'il m'est quand même dans un état second. À travers sa petite boîte à musique. Peut-être pour montrer la folie qu'il véhicule à travers l'oppression, justement. Tout va bien. Allez, buvez ça. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Du calme. Avec Witty, on s'est mis d'accord. Vous étiez d'accord? Wow. Hey, moi, tout ce que j'ai fait, c'est donner mon avis. C'est complètement stupide. Et c'est dangereux, bordel. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que tu le laisses là-bas. Tammy. On n'a aucune idée du temps qu'il a passé là-bas. J'ai vu comment ça rend les gens. Pas toi. Tu sais pas, il est peut-être dangereux. C'est ce que tout le monde racontait sur toi. Mais heureusement, j'ai pas écouté. C'est pas la peine de discuter, il est là. Et on a besoin de lui. C'est compris. Bien vu, elle l'a très bien pris. Dehors. J'ai rien fait du tout. Je plaisantais pas. On a besoin de vous. Reposez-vous un peu. Salut, ça va? Ok, lieu découvert, Wolf's Den, très bien, un monde faible. On est donc parti officiellement pour la région de Jacob. On l'a enfin vu celui-ci. Ok. Il y a un camion ennemi qui passe à 90 mètres seulement, même pas. 80 mètres, damn. Je sais pas où on est. Je vous évite pas, en meilleure forme. Mais Ellie voudrait vous parler. Allez voir Ellie, il a besoin de vous. Ok, les gars, attendez, parce que vous vous répétez tous là-dedans. On a une boutique par ici. Et on va acheter la prochaine arme la prochaine fois, les gars, c'est pas un problème. Ellie, tu es où? Tu te caches où? C'est terrible. Ellie! Je nettoie. Content de vous voir de vous. Ah, ça va mon frérot? Ça fait longtemps qu'on vous cherche. Dutch dit le plus grand bien de vous. Bon, je vais vous parler franchement. Je sais ce que vous avez fait au sud. Vous avez donné un bon avertissement au père et ça, c'est bon pour nous. On se fait laminer ici, faut être lucide. Je sais pas si on pourra tenir plus d'une semaine à ce rythme. On se retrouve vraiment au pied du mur. Je fais en sorte qu'on se reprenne. Alors j'ai envoyé un groupe de Whitetail saboter le centre touristique. La secte l'utilise comme dépôt pour sa putain de grâce. Mais les pauvres gars ont foncé droit dans un piège. Ils se sont fait prendre en otage. Et le temps joue contre nous. Si j'envoie un autre groupe là-bas, on risque de tout perdre. Mais vous, la secte s'attend pas à vous voir débouler. Vous êtes la seule personne ici qui soit capable de gérer cette situation. J'ai confiance en vous sur ce coup. Je compte sur vous. Vous allez devoir être une ombre. Si la secte découvre que vous êtes là, elle serait capable de tuer nos gars. Il y a un arc sur la table, si ça vous tente. Essayez de ramener nos camarades. Bonne chance. Alors clairement, ça va être la région... Comment expliquer? Ça va être la région... discrétion. Voilà, je pense que c'est le bon mot, hein, évidemment. On a deux missions qu'on va prendre volontiers. C'est parti. La milice des Whitetail se prépare pour ce combat depuis des années. Ellie a veillé à ce qu'on ait des caches de matos partout.
Flingues, munitions, la totale. Faut bien être paré à tout, pas vrai? Mais au rythme où vont les choses, on a vraiment besoin de ce matériel ici, plutôt que dans un bunker qui attend d'être trouvé. Y a pas intérêt à ce que ces connards de la secte tombent sur nos réserves. Vous nous seriez d'une grande aide si vous pouviez trouver ces réserves. Mais... y a un problème. On n'a pas la carte des planques ici. Me demandez pas pourquoi. Question de sécurité ou je sais pas quoi. L'éclaireur de la tour de guet de Jefferson devrait en avoir une. C'est juste à l'ouest d'ici. Bonne chance, et... restez sur vos gardes. Ça a jamais changé, hein. Je suis toujours l'homme à tout faire, c'est assez terrible là-dessus. Et on va prendre la dernière quête, et après on aura pu revenir. Oh la vache! Prends soin de ton équipement. Je vous ai peut-être paru un peu trop dur. Je m'excuse pas, je reconnais mes erreurs. C'est juste que je fais pas confiance aux inconnus. Mais d'après Ellie, vous êtes réglo. Alors je vais me contenter de ça pour le moment. Faites vos preuves. Et vous et moi, on apprendra à s'entendre. Voilà le topo. Witty essaie de monter une station radio pirate. Il a dit à Ellie que c'était pour aider à coordonner la milice. Mais je pense plutôt que c'est pour diffuser sa musique. Donc on va lui filer un coup de main. Le problème, c'est qu'il a pas de signal. D'après notre expert, la secte brouille les ondes dans toute la zone. Et on sait comment. Apparemment, des brouilleurs ont été placés sur 2 tours radio. Et un troisième sur une unité mobile qui patrouille sur les routes. Commencez par les tours. Ça devrait libérer le signal pour que je localise la patrouille. Je vous préviendrai quand ce sera fait. Faites ça. Et peut-être que je vous ferai davantage confiance. Ouais, ça va. J'ai libéré 3/4 du Montana, ma soeur. Arrête de me prendre pour un connard aussi. Eh, c'est terrible, hein. Dans le jeu, ils prennent vraiment pour un bolos, hein. C'est dingue. C'est dingue. Ah bah moi, ça a tendance à m'énerver, les gars. Ça va beaucoup trop vite, ça va beaucoup trop loin. On est parti, on se casse. Elle m'a saoulé. On a pris 3 missions principales. Ça, c'est plutôt cool. On va aller à l'hélicoptère juste ici. Ellie, alors. T'es entre de bonnes mains. Il pourra te filer tout ce qui te... Ah merde, ça a coupé la conversation. Désolé les gars, my bad, j'appelle mon hélico et on est reparti dedans. Pour survivre dans la montagne. Mais je continue à garder un œil sur toi, t'en fais pas. A bientôt, officier. Allez, on est parti. Bon, il est temps de monter cette barre. Qu'en pensez-vous pour qu'on arrache Jacob le plus rapidement possible? On va faire des avant-postes. On a un avant-poste juste ici. On a un avant-poste ici. On va faire ces 2 avant-postes-là. Et puis on fera les quêtes prochaine vidéo. Parce que c'est pas mal, hein, mine de rien, avec toutes les petites cinématiques. Le kidnapping, clairement imprévu en début de vidéo, pour être honnête avec vous. Avec tout cela, je n'ai pas pu me concentrer sur le reste. Et c'est assez dingue, mais le temps passe. Et on est déjà à 15 minutes de vidéo. Donc je vais me poser ici calmement, délicatement. Et on va faire un autre avant-poste juste là-bas. Il y en avait même un autre encore, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ouais, c'est Ellie, pour faire un point avec vous. On a perdu quelques patrouilles ces derniers jours. Walker, vous vous souvenez de lui? Le type qui bégayait. Ouais, bien, il a disparu. Faites gaffe à vous, ok? On a vraiment besoin de vous. Ça m'a saoulé. Je suis une machine. Je suis juste totalement une putain de machine. Ok. Bon, on a normalement l'avant-poste juste ici. Quoi? Quoi? Arrêtez, wesh! Non, je suis déjà cramé, d'où Jésus. Je vais devoir le faire à l'arme lourde. Attendez, ok. C'est bon. On est bon. Elle peut se calmer la musique, s'il vous plaît, là? Il y a forcément Fufu en fond, là, qui doit jouer. Ok. Cette fois-ci, on est parti. Désolé, j'ai stressé. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Ok. J'ai pas envie de le faire avec des... Oh, damn. J'ai pas envie de le faire avec des compagnons. Je trouve que... les compagnons, on se fait trop repérer, pardon, avec eux. Je trouve pas ça fou. Waouh! Alors, j'étais pas prêt à ça, pour être honnête avec vous. Ah ouais, sale! J'ai repéré un signal d'alarme. Et le deuxième, il est là-haut. Oh.
Ça risque d'être compliqué cette petite histoire, les gars. Il faudrait que j'arrive à glisser. Ouais, ça serait énorme. Ok, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, les gars. Il faudrait que j'arrive à me glisser dans le chalet. Beaucoup de monde. Compliqué. Un gars au-dessus qui peut voir la balle. Aïe, 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 aïe. C'est pas des petits avant-postes, clairement. Lui au moins on est sûr d'être tranquille. J'ai peur. Hein. Mais le pouvoir de la maternité existe. Il n'y a plus de fuite. Que le combat. Les juges libèrent le tempo des malades. Des vieux. Des faibles et des indignes. Calme-toi, gros. Reste enfermé. Commence pas à foutre ta merde. Oh la vache, les gars. Là, je suis en train de serrer les fesses, je marque le cul. Hein. Et lui, il veut pas se tourner, c'est sérieux. Ok, je suis pas bien, je suis en stress de ouf, les gars. Je veux juste couper l'autre signal d'alarme. Oh, touche Jésus. C'est terrible. Je suis pas bien, les gars, hein, vraiment. Hein. Ok. Maintenant, regardez bien. T'inquiète pas que j'ai repéré le mortier. Ok. Ok, regardez bien. Oh, j'ai pas le temps. Allez, comment on quitte, comment on quitte. Ok, c'est bon. Aïe. Je peux pas mourir maintenant. Je suis beaucoup trop jeune. Ok. Il y aura pas d'alerte, ça c'est plutôt cool. Ok. La vache. Ils ont une visée. Oh mais l'aimbot que vous avez, les gars. Voilà mon pote. El Joe Lodge, c'est fait. J'ai eu chaud quand même. Pour être très honnête avec vous, j'ai eu chaud. On va libérer le prochain avant-poste. Et on est très très bon, bordel. Oh, c'est une belle vue, ça. Ça, c'est une vue qu'on aime. Ça, c'est le Montana. Ça, c'est l'Amérique. Allez, ça, c'est fait. On a des résistants à notre côté. Plus 400 RP, niveau supplémentaire. Ça, c'est bon. On va reprendre notre putain de montagne à Jacob, je le sais. Les cinglés ont l'air bien énervés à la radio. Ils réclament des convois d'hélico pour patrouiller dans les Whitetails. Restez bien sur vos gardes et surveillez le ciel. Ok, ça c'est fait. Convoi armé, mission annexe. On récupérera ça plus tard, c'est pas un problème. Vous aviez nettoyé le Angel Lodge. Beau travail. Ça fait des mois que Jacob s'en servait pour transformer ses loups en juges. Maintenant qu'on a repris cet endroit, on est encore plus près d'arrêter toute l'opération. Allez, ça c'est fait. Bon, on va se TP pour peut-être aller récupérer
un hélicoptère et je pense qu'on va les récupérer là-haut. Ça me paraît pas mal. On a encore une quête ici. Ah oui, Funk Center, on l'a pas fait. Pour rappel, ça rapporte tout de même. C'est pas rien. 400, c'est quand même... Waouh, on peut faire ça. Si on fait les choses bien et proprement, très rapide. Très rapide cette région à mon avis. Enfin, tout aussi rapide que les autres. C'est-à-dire à peu près, je dirais, 8 épisodes grosso merdouillo bien évidemment. On est parti, on va faire... Bon, on va faire tout simplement encore un autre avant-poste. Hein. On va pas se lancer dans des missions. Par contre, prochaine vidéo, ça sera full mission. On a un avant-poste là-haut. On en a un là-haut. On en a un derrière. On en a partout. On en a partout. On va faire lequel? Ouais, celui-là. Celui-là, il m'inspire bien. Celui-là, il m'inspire bien. Il a l'air pas très très loin. On va voir où c'est. Je vais essayer de me jeter... Ah non, il est juste à côté. Très bien. On a notre second avant-poste. Et franchement, vous savez quoi? Je vais prendre le temps. On en fera un troisième. Bah les couilles les gars, on en fera un troisième. On est là pour kiffer. Et moi, j'aime bien les avant-postes, très clairement. S'il pouvait y avoir que des missions... Oh, il y en a encore un là. Que des missions d'avant-poste. Moi, je prends volontiers. J'hésite à y aller en wingsuit. Telle une machine. Ben voilà, on va y aller en wingsuit tranquille. Alors, il est ici. Oh, il est beau. Ça, c'est un bel avant-poste. On a quelque chose juste ici. On va essayer d'atterrir sur ce château d'eau, je dirais. Je dirais château d'eau. Hop. On va piquer. Je vais pas atterrir dessus, mais bon, hein, on a compris le projet. C'est moi ou... Oh putain, j'ai tellement peur. Ok, pourquoi ils sont en alerte? J'en ai aucune idée. Aucune fichue idée. Prendre de l'herbe. Je prends. C'est de la bonne herbe. Ok, on va monter tout là-haut. Ok, c'est bon ça. Allez, je fais. Malheureusement, on voit rien. On voit strictement rien depuis le château. Mais pourquoi il tire encore? Il n'y a plus personne, les gars. Ok. Ça dégage, hein. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi. Hein. Oh, c'est une blague, on peut pas l'avoir, ils ont mis des caisses en bois. C'est vraiment des mecs lourds en soirée, putain. On fait gaffe. Ils cassent les couilles, c'est terrible. Vous êtes tellement lourd. Mais vous êtes d'une lourdeur sans nom, hein. On va aller là-haut. On va prendre la place du gars qu'on a arraché. Normalement, ça devrait être assez safe. C'est terrible quand même. C'est terrible. Ok. Ah ouais, c'était sûr. Faut vraiment que je fasse le petit ici là. Mais il fait des... Oh, d'où Jésus, il tape des pompes, le mec! Ils en seraient malades. Ils seraient en colère. Oh là là. Nous avons oublié nos... Ah, c'est compliqué, hein. Nous avons oublié notre identité. Mais c'est fini. Nous deviendrons des tueurs. Nous deviendrons tenaces. Nous deviendrons forts. Allez, arrache-toi. Un ours, putain, attention! Attention! Allez, arrache-moi mon pote. Ok. Mais c'est pas vrai! Putain, t'as quel âge? T'as quel âge, Troubal? Ferme-la! Oh, ils sont casse-couilles avec leur loup là, la con! Je te brûlerai tout ça, moi! La guerre. La guerre.
C'est pas mal. Il reste un mec assez, assez stock. Et en vrai, on est bon. Les gars, on est là pour s'amuser ou pas? On est là pour s'amuser ou pas? Oh, genre il a pas pris. Ok. Bougez pas les gars. Bougez pas. Ça, ça dégage. Il est où le dernier? Ok, j'ai. Il a l'air bugué. Aucun problème, les gars. Allez! C'est libéré! Et en plus, discrétion! Je me suis même pas fait cramer. Ça, en vrai, c'est beau gosse. L'ours, il m'a mis super bien, les gars. Allez, deuxième poste, c'est fait. Et vous savez quoi? On va en faire un troisième. Parce que j'aime bien faire les avant-postes. C'est cool! Sauf quand tu te fais cramer dès le début, c'est un petit peu plus chiant, vous l'aurez compris. Mais là, on est bien, bordel! Allez, on est reparti! C'est pas fini! Oh, 400 RP, vas-y, régale-moi, bébé, putain. Les faibles se voient toujours comme des héros. Quelle que soit la cause, ils se décrivent comme des guerriers. Mais ce ne sont pas des guerriers. Ce sont... Ouais, tu nous racontes ta vie, c'est très intéressant, mais... Que te dire, mis à part que j'ai envie d'un petit hélicoptère. Donc, je vais chercher l'hélicoptère, les gars. Allez, j'aime bien atterrir ici, c'est plutôt cool. J'aime bien. Ah, tu te répètes, Jacob. Quelle que soit la cause, ils se décrivent comme des guerriers. Mais ce ne sont pas des guerriers. Ce sont des enfants. Cette milice des White Tails. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des imposteurs. Alors ça c'est plutôt chiant. Parce que l'avant-poste est sur une haute colline. Par contre on a une antenne. Est-ce qu'on peut détruire cette antenne? Telle est la question que beaucoup de Français se posent évidemment. Je crois qu'on peut détruire l'antenne. Vous ne devriez plus être loin. Détruisez le boîtier de commande en haut de la tour. Je vous laisse choisir comment tant que ça fait des étincelles. D'accord. D'accord, c'est très bizarre. Il est très solide ce boîtier. Attendez. Attendez. Les gars. On va faire un petit truc que je connais bien. Petite technique australienne. Normalement ici, je la sens mal. Hein. Je suis un monstre. J'espère que vous avez pas le vertige. Je suis un putain de monstre. Je suis un putain de monstre! La tour suivante est au nord-est. Elle surplombe l'hôtel depuis une falaise. Si vous avez un wingsuit, c'est le moment de le sortir. Mais évitez de vous écraser. Quoi? C'est quoi qui me crame? Ok. Hop, on va la faire cette station, mais c'est bizarre parce que. On voit rien. On va y aller calmement en wingsuit. Pourquoi je vois rien d'ici? C'est dommage que les ennemis sur le coup ne pop pas. C'est triste. C'est pas grave, on va y aller à Yep, les gars. Allez, un signal d'alarme. Ça, c'est localisé. Ok. Allez, on est parti, les gars. Le dernier avant-poste et on va se laisser là. Je vois qu'un signal, je crois. Non? On est d'accord, hein, on voit celui-là au milieu, mais... Ah non, il y en a un au bout. Ah, d'où Jésus. Yo, les gars. On va avancer comme ça. Un
compliqué cette histoire. Il entraînera des guerres, la famine et la mort. Ce sera la fin. Très compliqué cette histoire. Très très compliqué. Ce sera un commencement de renaissance. Nous reviendrons à l'ordre originel. Nous vivrons selon les règles de la nature et nous en sortirons grandis. C'est horrible, ils ont trop bien caché les... La vache. Ok, on va faire tout le tour. Ils ont tellement bien caché les radios, c'est terrible. Hein. Vous avez déjà regardé par le hublot d'un avion. Vous avez vu quoi ? La majesté. Les océans immenses. Les forêts puissantes. De l'âge. Oh, c'est incroyable ! C'est fait, je suis mort. Hein. Je suis totalement mort, ça risque d'être terrible ce qui va se passer. Waouh! Waouh, 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 waouh! Ça tire à balles réelles, les gars! Ça c'est fait. Oh, d'où Jésus! Mais. Vache! Ok. Ça va pas être un problème, hein, les gars. Ok. Ah. Ok. Oh, doux Jésus, qu'est-ce que tu fais là, toi? Un paquet. Ça, c'est Bibi qui régale. Ça aussi. Il reste qui, là, les gars? Il en reste un? Non, 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 non. Je veux descendre. Allez, ça dégage. C'était qu'un chien. Aucun danger, on a fait les 3 avant-postes. Donnez-moi les 400 points, s'il vous plaît. Incroyable. J'ai encore envie de faire les 2 autres, putain. Mais faut s'en garder pour les prochaines vidéos. Quoique, je peux en refaire encore un. Ah, j'hésite. Allez, franchement, vous savez quoi, j'ai pas fait de vidéo Far Cry pendant bien trop de jours. Pendant 2 jours. Donc, on est parti, je vais en refaire un. Oh, j'ai un nouvel hélico débloqué dans le magasin. Allez, on va refaire un, les gars, on va refaire un. Ah bah vous avez réussi à me séduire. Radar, officier, c'est génial. La SEC pourra plus s'y entraîner et en plus, on a une super vue sur notre région. J'aurais bien besoin de votre aide pour un truc. Eh bien ça c'est fait, j'ai pas eu mes points RP, je m'en souviens pas. Allez, on en refait encore une. Ah bah non, mais les gars, c'est bon, là je suis motivé. Hop, on est reparti, on va récupérer notre hélico préféré. Allez, on est parti pour un tout nouvel avant-poste. Je suis parti en wingsuit. Eh, ça c'est mon petit plaisir, histoire de finir la vidéo en prenant... un bon bol d'air, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est plutôt cool, l'avant-poste, donc. Et juste en face, je ne vous le cache pas. Et on aura donc fait 4 avant-postes. Ça, c'est du bon boulot, les gars. Ça, c'est du bon boulot. On va la monter, cette barre, et on va la monter bien haute. Un beau barreau qu'on va faire, là. Allez, on est parti, je vais atterrir où? Dila-dila-doum. On va atterrir juste ici, près des hauteurs, dans la vallée de Dana. Il y a un mec sur le toit, hein, on le voit. Ah, il y a quand même une distance d'affichage, pardon, assez... Enfin, c'est vrai que tout à l'heure, je disais que c'était pas... ils auraient pu faire mieux. C'est vrai qu'on peut toujours faire mieux en soi. Hein. Mais il y a une distance d'affichage assez cool. Ok, on est parti. Système de surveillance. Donc, le gars sur le fond, on l'avait déjà vu. Hop, voilà. Ouais. Ça c'est fait. Ils m'ont pas repéré, mais alors c'est pas normal que la balle. Les mecs ont vu la balle quoi. Tu sais, t'es là en mode les gars. Vous me prenez pour un connard quoi, c'est chiant. Alarme toute désactivée. Ça c'est fait.
Ok. On peut monter ou pas tranquillement là-haut là. Là ça a l'air cool. L'ours il a l'air de se régaler. Oh putain tu m'as fait peur. Eh hey, t'es posé frère hein. Allez hop la triple feed. Ok. Vas-y régale toi frérot. Il y a deux secondes t'étais chaud. Il y a deux secondes t'étais chaud pour monter. Et là il n'y a plus personne. Allez ça c'est fait libérer. En plus discrétion. Mais cet homme est trop bon. Cet homme est trop bon. Mais qu'est-ce qui se passe. En plus ils vendent des pommes. C'est dingue. Oh là là, quel bonheur. Bonus discrétion, 1000 dollars les gars. On a eu deux fois 1000 dollars parce qu'on a fait deux fois deux avant-postes en full discrétion plus 400 dollars. Ah c'est ouf. Tous les automnes, les gens venaient ici cueillir des pommes en famille. Par les temps qui courent, on oublie trop facilement les petites choses qui nous définissent. C'est un endroit rempli de bons souvenirs. Merci de nous avoir rendu au moins ça, officier. On te doit beaucoup. Ma barre, elle est où, là? Mes 400 RP, là, les gars? Oh là là! Oh là là, d'où Jésus? Ça veut pas monter, tout ça? Ça monte plus, là? Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Non, ça monte plus. Ok, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. C'est un petit peu chiant, je vous avoue. C'est pas grave. On ira récupérer au prochain épisode Fang Center pour récupérer l'ours en compagnon et le fort... Drumman, on ira aussi le récupérer. On va récupérer les deux élites dans la prochaine vidéo. Et après on attaquera uniquement les missions principales. Et franchement, une régalade les gars. Une régalade, ça sera la fin de la région. Ça va venir bien plus vite que ce que vous pensez. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Bisous, à très vite tout le monde. Ciao ciao.